précédemment dans Petaouchnok Express. L'action n'a pas manqué de piment à Mexico. Julien a tenté d'en avaler un pour impressionner Karine, mais le piment a gagné. Les patineurs artistiques se sont rués vers l'or, mais une fois de plus, les biceps de Marguerite ont réglé le problème. Les patineurs ont tout de même réussi à faire sortir les sinistres gothiques. Qui disparaîtra cette semaine? Découvrez-le maintenant dans Petaouchnok Express. Nous nous retrouvons une fois de plus à Mexico, où les cadettes sont sur le point de quitter à la fois la ligne de départ et toute dignité en se moquant des patineurs arrivés second. Ça, c'est pour vous. 1-1-1-1-1-1-1. Visez les muscles. À partir de maintenant, on fera tout ce qu'il faut pour rester dans le cercle des vainqueurs. Ça veut dire que non. Je peux... Tu oublies le pistolet électrique. Oh. La deuxième place. Encore. Mais au moins, j'ai réussi à faire éliminer une équipe. C'est vrai. On l'a fait. C'est comme si on avait gagné la médaille d'or de la tricherie. Rendez-vous à Canto, au Vietnam. Canto n'est pas seulement un nom génial pour un méchant de cinéma, c'est aussi celui de la plus grande ville du Vietnam sur le delta du Mekong. Les équipes trouveront leur prochain indice ici, le long du Mekong, où les poissons sont abondants. Ah, et parfumés! Éloignez cette chose de moi! Il est écrit... Tiens, toi tu dis, moi je vais chercher un taxi. Taxi! C'est pas par là. Je le savais! Il s'avère que je suis violemment allergique aux piments, surtout quand je me les frotte dans les yeux. Alors oui, ma vision est un peu brouillée. Mais ne le dites pas à Karine, j'essaie de l'impressionner, vous voyez, préparer le terrain pour le moment où je lui dirai que je l'aime. Taxi! Vite Karine, il n'y a pas de temps à perdre. Quoi? Démarrez! On partage un taxi? On le dirait bien. Tu joues à quoi, là, Julien? Quoi? Mais où est Karine? Elle n'est pas dans le taxi avec lui. Le Vietnam? Enfance! Hier, il faut avouer qu'on n'a pas été très... beau à voir. Ça, tu peux le dire. On a fait caca sur des cactus. C'est tout nous. Ouais! J'ai pris nos billets. Allons-y. Ah, oh, bien, tu as pris nos billets. Allez. Toutes les équipes ont embarqué dans le même vol pour le Vietnam. Après l'atterrissage, ce sera la course pour trouver un taxi. Taxi! Oh, plus de taxi! Regardez-moi ça! Trop bien! À Canto, près de la rivière, mec! Tant qu'à être au Vietnam, ce gamin n'est pas assez rapide. Maintenant que j'ai réussi à oublier Lucas, ou quel que soit son nom, je me concentre que sur la course. Je ne suis pas vraiment sûre que ce soit une bonne chose. Fais le maximum, Lola. Ciao, ciao! Rendez-vous à la ligne d'arrivée. Bien essayé, Rose Bonbon. Ah! C'est un défi multi-équipe. Trois équipes doivent attraper un poisson-chat à la pêche au doigt. La pêche au doigt, c'est quoi ça? La pêche au doigt, c'est une technique de pêche locale où on utilise les doigts comme appât pour attraper d'énormes et repoussants poissons-chats. Oh. Pour ce défi multi-équipe, les six équipes restantes formeront deux groupes de trois et devront capturer six poissons-chats pour obtenir leur prochain indice. Et il y a un bonus! Si l'une des multi-équipes attrape le poisson-chat marqué du logo Petaouchnok Express, ses membres recevront un billet passe-temps-tour qui leur permettra d'échapper à la prochaine épreuve et d'aller tout droit jusqu'à l'espace détente. La dernière équipe arrivée ici devrait rentrer chez elle. On dirait qu'on va devoir travailler... ensemble! J'ai horreur des poissons! Ils sont si gluants et visqueux! Dommage! Il nous faut le poisson avec le logo pour obtenir la médaille d'or. Et je ferai n'importe quoi pour l'attraper, même si ça veut dire... aider nos ennemis jurés! Non! Non, 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 nous n'avons pas vraiment le choix. Dans ce cas... Non, pas de ça ici. Dis donc, tu te souviens de ce que tu m'as dit une fois? Parfois, il faut pouvoir se disloquer les épaules pour se glisser à travers une barrière et citer un chihuahua à comparaître pour aboiement excessif. Là, je n'avais pas tort. Je me hais! Ouais, alors ça va être vous deux avec nous et la prochaine équipe à se pointer. Vite, allons chercher un bateau! C'est un défi multi-équipe! Hé, on pourrait travailler ensemble! Oui, ça me ferait du bien de faire enfin partie d'une équipe.
Karine, je ne sais pas si... Julien, tu as vu ses bras? C'est un véritable super-héros. Je crois que... Hey, on a besoin de deux autres péquelons ici. Ce sera nous. Dépêche-toi. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Je veux dire, à part ma vision. Plus j'aime Karine et plus je gâche tout. Il faut que je lui prouve que c'est moi son héros. Puis je lui dirai que je l'aime et tout se passera bien. Ça doit marcher. Bye bye. Bonne chance. Toi aussi, fais attention à tes petits doigts. Chaque fois que Karine parle à Ryan, ça me rend furieuse. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? On dirait que t'es jalouse. Qui, moi? Mais c'est impossible, je le déteste. En fait, il le faut, ça se passe tellement mieux quand on se déteste. T'as besoin d'aide, sérieusement. Oh! D'accord, c'était plus loin que je le croyais, mais tu as été génial et on a battu les surfeurs, alors... Lola, Emma, par ici. C'est pas grave, on prendra la tête pendant le défi. Génial! On va être dans la même multi-équipe! Oh, génial! Qui d'autre fait partie de notre super multi-équipe? Par ici, chers équipiers! Plus vite! Bon, plus qu'à espérer que la première super équipe sera vraiment nulle. Axel, viens dans l'eau et agite les doigts plus vite! Pour l'amour de l'or, ce ne sont que des poissons! Et enlève-moi ces gants! Jamais! Je veux bien mettre la main dans un gant plein de fourmis venimeuses, mais pas dans la bouche d'un poisson. Ils sont trop froids et gluants. Ce serait comme masser les pieds de ma grand-mère. Vous savez, Julien a été si gentil ces derniers temps. Si je n'étais pas sûre du contraire, je pourrais croire... Non, je sais ce qui se cache sous tous les petits gestes qu'il fait. À moins, vous croyez que ça veut dire quelque chose? Crois-moi, l'amour, ça ne te vaut rien. Tu ferais mieux de mettre tous ces sentiments de côté dans ton cœur et de les ignorer. Oui, peut-être, mais surtout, tu mérites de trouver quelqu'un qui t'apprécie vraiment à ta juste valeur. Hé, Karine, j'ai trouvé ces déchets de poissons pour attirer les poissons-chats. Oh! Mes sentiments sont mis de côté dans mon cœur. Disparus. Ils n'existent plus. Ouais! Viens sur mon bras! Oh! Stupide poisson à moustache! Viens manger mon bras! Et si tu essayais, je sais pas, de ne pas crier pour changer? Ta voix terrifie le poisson. Sans parler de son visage, de sa personnalité et de son odeur. Tout cela est tellement terrifiant. Ils se trouvent très très drôles, mais ils riront moins quand nous aurons brisé leur rêve doré à tout jamais! Oui, mais après le défi en multi-équipe, on est bien d'accord? C'est n'importe quoi cette pêche aux doigts! Tu n'agites pas tes doigts correctement. Regarde. D'abord, tu mets les mains dans l'eau, comme ça. Et puis, tu agites les doigts comme des petits vers. Tu vois? C'est plutôt agréable. Qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est juste que j'avais jamais remarqué tes mains avant. Elles sont... Il faut que j'y aille. Elles sont quoi? Elles sont quoi? Quoi? Ryan a les mains les plus belles que j'ai jamais vues. Je croyais que j'éprouvais plus rien pour lui. Oh, si je regarde ses mains trop longtemps, je vais à nouveau tomber amoureuse de lui. Bon, écoutez-moi bien. Il y a sans doute des poissons juste en dessous de nous. Lola et JF, vous faites les boulets de canon à la poupe et vous faites filer les poissons vers Karine et moi à la proue. Et nous utiliserons nos doigts pour les attraper. Oh, t'as bien dit. Boulets de canon! Par ici, gentil poisson. Burk, j'en ai un. Oh, c'est vraiment trop bizarre comme impression. Et pas dans le bon sens du terme. Tiens. Oups, désolé. Tiens, Julien. Mince, je fais vraiment tout de travers aujourd'hui. Il faut que je montre à Karine que je suis l'homme de sa vie. Allez, Julien, réveille-toi. Réveille-toi. C'est quoi? L'index? Le pouce? Qu'est-ce qui va pas chez moi? Tu pourrais les garder loin de moi, s'il te plaît. Ouais, ça fait deux. Marguerite, l'équipe. Tu sais ce qu'il te faut, la patineuse. Je suis sûre que ce sera une idée ridicule, mais bon, raconte. Une baffe de poisson. Hé, ah, t'as laissé échapper mon poisson. Ça en valait la peine, pas vrai? Ah, oh, écoutez l'équipe, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, on va perdre. Génial, il ne nous en manque plus que deux. Vous voyez ce qu'ils font? Ils travaillent ensemble. Oh, ce n'est pas du tout dans ma nature. D'accord. De toute évidence, on se déteste. Absolument. Je la déteste plus, c'est noté. Mais là tout de suite, si on les détestait eux, parce qu'ils sont en train de nous battre là. Oui, ça c'est plutôt embêtant. Une alliance temporaire? C'est pas une mauvaise idée.
mais seulement jusqu'à ce que ces minables soient renvoyés chez eux. D'accord, trêve. Bah, tu peux... Marguerite. Bon, je veux dire d'accord. Bon, très bien. Écoutez, j'ai réfléchi à une stratégie possible. Moi, j'ai une idée. Tenter par un peu de sabotage. Je viens de créer la Ligue du Mal. Hé, tu as vu ce gros poisson-chat tout près des rochers? Oui, il faudrait un homme très impressionnant pour capturer ce monstre. C'est parfait, j'attrape l'énorme poisson-chat, Karine m'admire, je lui dis que je l'aime, on s'embrasse, heureux pour toujours et à jamais. Je parle à la caméra, là. Elles ont dit tout près des rochers, alors c'est parti. Ouh, ça fait 6. On a fini, je vais chercher le juge. J'en tiens. J'en tiens. Ouh là là, j'en tiens. Génial, mets-le sur les autres. Plus on est de fous, plus on rit. Vous savez quoi? Je trouve que notre alliance fonctionne plutôt bien. Et si on restait comme ça? Génial, où ça marche? Excellent. Oui, par ici, monsieur. Vous allez devoir compter tout un tas de poissons-chats. Préparez notre billet. Oh, nos poissons! Oui, c'est moi qui ai pris le plus gros. Mec, t'as mis un crocodile dans le bateau? Non. J'ai fait ça? Ça doit être à cause de mes yeux. Si j'y voyais clair, je pourrais réussir ce défi et conquérir Karine. Ah, génial, ça va mieux. Écoutez, nous avions 6 poissons-chats. Vous pourriez peut-être nous croire sur parole. Oh, alors on va devoir tout recommencer à zéro. On n'est pas encore vaincu. Restez près de nous, monsieur le juge. Ce n'est pas la première fois qu'on perd quelque chose dans la gueule d'un croco. Pas vrai? Exact. Je me demande bien pourquoi ma sœur m'a demandé de lui faire un babysitting. Une très très mauvaise idée. Vous allez voir. 6 poissons-chats. Génial. Une épreuve commune. Perdez-vous dans un sous-sol surprenant. Pour cette épreuve commune, les équipes prendront un taxi jusqu'à ces tunnels qui datent de la dernière guerre. C'est dans ce labyrinthe qu'ils trouveront la Danbox et la direction de l'espace détente. Mais il ferait mieux d'être sur leur garde. Ces tunnels sont truffés de pièges, de cul-de-sac et de quelques araignées. Quoi? C'est pas vrai! J'ai travaillé en équipe pour rien! Du sabotage, ce n'est pas vraiment du travail en équipe. Le poisson-chat avec le logo, je le vois! Que l'un d'entre vous essaie! Enlevez-le! Enlevez-le! Ça, c'est un coup de bol! Ouais, ouais! Finalement, c'était une bonne idée de monter dans le premier bateau. Je suis heureuse de l'avoir eu. Mais l'autre bateau a fini en premier. Mais nous avons le poisson avec le logo! Je suis géniale! Tandis que l'équipe diabolique se dirige droit vers l'espace détente, les 3 autres équipes arrivent au tunnel pour commencer le second défi. Oh, c'est plutôt effrayant. Alors finissons-en et vite. Ouais. Bon, bonne chance les amis. Oh, attendez. Et notre plan multi-équipe alors? Quoi? Mais on n'est pas... Maintenant que le défi pêche est terminé, je crois qu'on est censé se... se séparer, et celui qui trouve la boîte à indices lance un signal. Comme... Quoi, quoi? Quoi, quoi? Oh, bien trouvé, quoi, mon pote, quoi? Allez, quoi, la multi-équipe? Mais... Bon, tu viens? Alors que les dernières équipes se séparent, et que l'une d'entre elles s'imagine encore être associée, notre Ligue du Mal vient de remporter la première place. Félicitations! Hey, comment il vient de nous appeler? Moi, je trouve que ça sonne bien. Je n'aurais jamais cru dire ça, mais... Et si la Ligue du Mal restait unie jusqu'aux 3 dernières épreuves? Top là, coéquipière! Ces deux-là sont complètement folles. Mais s'il y a une alliance, je la préfère avec elle que contre elle. Tant qu'elle se déteste plus que nous, il n'y a rien à craindre. Même si la haine peut aussi être amusante. Bien sûr, ce n'est pas une véritable alliance. On s'amuse à jouer avec les cadettes. Laissons-les penser qu'il n'y a rien à craindre et quand ils baisseront la garde... Boum! On lâche l'artillerie lourde et on les renvoie sur la glace.
multi-équipe. D'accord avec toi, mon pote. J'ai l'impression de voguer sur une vague splendide jusqu'à la finale. Oh, le tunnel vient de s'arrêter. Oh, c'est peut-être ce qu'ils veulent qu'on pense. C'est forcément un signe, non? Que c'est mal de laisser les potes de surf penser qu'on est resté une multi-équipe. Ces gentils surfeurs veulent remporter le million exactement comme nous. S'ils ne comprennent pas ça, ils... Ah, Emma! Au secours, Lola, vite, tire-moi de là! Qui a éteint la lumière? Ah, j'ai des allumettes. L'araignée est partie. Julien? je vérifie juste qu'il n'y a pas d'araignée qui escalade tes jambes. C'est bon, ça va. Merci, Julien. Bon, recommençons à chercher la Dunbox. Ouais, laisse-moi passer le premier. Désolé. Non, vas-y, vas-y. Non, attends. Je t'assure que tu peux... Oui, tu permets voilà, après toi. D'accord. Ouf, c'est le moment, Julien. C'est rien, Karine, ne te laisse pas avoir. C'est juste qu'il fait très chaud ici. Il n'est pas amoureux de toi. Pas amoureux. Écoute, Karine, je sais que j'ai été un peu bizarre ces derniers temps, mais c'est parce que j'ai compris ce que je voulais vraiment. Et ce n'est pas Adèle, c'est... La Dunbox. À ton avis, c'était un cri de joie ou un cri de terreur? De terreur, c'est clair. Tu glisses. Merci. Pas de problème, mon pote, tous unis pour la multi-équipe. D'accord, multi-équipe jusqu'au bout. Vous avez démoli ce mur? Oui, comment t'as deviné? Quoi? Le signal, ils ont trouvé la boîte à indices. Allons-y. Quoi? Qu'est-ce que tu fabriques? Je t'ai demandé si on devait alerter les autres équipes, je ne t'ai pas dit de le faire. Désolé, je croyais que tu voulais que je le fasse. Bing! C'est une carte pour l'espace détente. Quoi? C'est parti, la multi-équipe! Oh, une fois de plus, plus j'essaie de l'impressionner et plus j'ai l'impression que... Julien, dépêche-toi! Désolé, j'arrive! C'est une course folle vers l'espace détente. Je suis impatient de voir qui arrivera en premier. Les laisser passer? Ben, ils ont trouvé la boîte à indices, mon pote. Wouhou! Ouais! Les sœurs, vous êtes quatrième. Oui! Et les meilleurs amis du monde sont cinquième. Vous continuez l'aventure. Ouais! J'ai pas tout gâché. C'est trop bien. Oh, désolé, on dirait que j'ai un peu transpiré. Et Julien, dans les tunnels, j'ai eu l'impression que tu voulais me dire quelque chose, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Je voulais te dire que... Karine! Hey, heureux que vous ayez réussi. Désolé d'être monté sur l'autre bateau. Vous savez, c'était l'idée de Stéphanie. Oh, pas de problème. On sait que ça venait pas de toi. Et c'est pas que je me plains, mais t'as enlevé ton t-shirt. Il fait un peu chaud ici, alors ouais, j'ai enlevé mon t-shirt. Un type qui transpire, c'est répugnant, non? C'est vrai. Bon, je ferais mieux de rejoindre la Ligue du Mal. À plus. À tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire, Julien? Oh, quoi encore? Julien a bien failli nous faire perdre aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui arrive? On dirait que plus la course progresse, moins je le connais. Je veux gagner ce million avec mon meilleur ami, mais pas avec un étranger. Mais je prendrai le million quand même. Et voilà, nous y sommes, mon pote. Tu peux envoyer les ondes négatives. Pourquoi vous faites cette tête-là? Vous ne quittez pas encore l'aventure? C'est vrai? Maintenant, vous la quittez. Oh. Vous avez vu? C'est un peu comme à la pêche. Je donne du mou, un peu d'espoir, et puis je tire un bon coup. C'est génial, non? Pas étonnant qu'on fasse une superbe part d'audience, c'est pas vrai? Pas de bol, mon pote. Vous ne comprenez rien au show business. Marguerite, tu vas devoir continuer sans moi. C'est pas grave, ça va aller. Ce sera difficile, mais tu sauras que je t'encourage depuis le... Dommage, passe à autre chose. Qui seront les prochains à partir? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Ne pas rater le prochain épisode de... Beta ou Schnock Express. On doit rentrer à la maison. Mais je crois qu'on peut quand même être fiers de nous. On l'a joué loyal. Et on s'est bien amusé. Marcher sur des charbons ardents, conduire un buggy. Et on s'est fait des super copains. Ça vaut bien mieux que l'argent. Mais si l'un des membres de la multi-équipe gagne, on aura quand même une part du million, pas vrai? Pas de chance, mec. On a bien failli gagner. Tu peux le dire. Allez, viens.
Tu sais quoi? Le surf continue! Exactement, mon pote. Exactement.